La rencontre spéciale de validation de la politique minière du Tchad et du code minier aligné sur les principes de la vision minière africaine, organisée par le ministère des Mines, de la Géologie et des Carrières, a pris fin hier, ici même à N'Djamena. Deux jours d'échange ont permis aux participants de valider le code minier conformément à la vision. Varelaji. Désormais, le Tchad dispose d'un document référentiel de base pour contribuer à son éclosion socio-économique. La validation de ce code minier et de la politique minière du Tchad, parcourue, révisée et validée par les techniciens du ministère des Mines, le groupe d'experts et les membres du comité interministériel, a été remis à Youssouf Abbas Sala, ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières. Ce document volumineux présente le mécanisme de gestion du secteur extractif. La politique vient d'être remise au ministre de Mines, de la Géologie et des Carrières, ainsi que le code minier. C'est un travail de longue haleine, hein, depuis quelques mois déjà. Qu'est-ce qui différencie? C'est que le nouveau code, il est plus volumineux, première chose. Deuxième chose, il est arrimé, n'est-ce pas, à la vision minière africaine. La vision minière africaine est une vision qui a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et donc depuis 2009, et il est question qu'aujourd'hui, par exemple, que les ressources naturelles, que les ressources minières servent à développer l'Afrique et les Africains. Pour le chef du département en charge des mines, les assises de N'Djamena mettent en exergue une étude menée par le personnel de son institution sur le secteur minier à Atchi dans le Bata et à Pala dans le Mayo-Kébi Ouest. Notre pays, vous le savez, regorge de potentialités énormes. Et cette part permettra de mettre en évidence sans doute la valorisation de nos ressources minières. Le gouvernement tchadien examinera le plus rapidement possible ce projet qui sera soumis également à la sagacité de l'Assemblée nationale. La validation de ce code minier et de la politique minière du Tchad conformément à la vision minière est rendue possible grâce à l'appui conséquent de la Commission économique pour l'Afrique à travers le Centre africain de développement minier, ainsi que la Commission pour le dialogue Union africaine, CEAC, et la BAD. En diplomatie, la secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, Hawa Outmane Djamé, a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Tchad, Stéphane Dapagne, avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Il est venu également annoncer à la secrétaire d'État la visite prochaine du vice-président ministre belge Didier Randes, mais aussi parler de la nomination d'un consul honoraire de Belgique au Tchad. Le ministère de l'économie et de la planification du développement et celui de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, en collaboration avec l'OHCR, organise un atelier de planification stratégique pluriannuel. Cette rencontre consiste à mieux renforcer les actions de protection et de la responsabilisation des réfugiés pour une durée de 2 ans. Mamadou Oumar Morsal. Pour renforcer les actions de protection et la responsabilisation des réfugiés, le HCR s'attelle à la planification stratégique pluriannuelle et multipartenaire 2018-2020. Selon le rapport, les réfugiés ne devraient pas être considérés comme des fardeaux pour l'économie, mais des acteurs actifs du développement socio-économique du pays. Pour le responsable du HCR au Tchad, Ambaouba Mili, le Tchad accueille aujourd'hui environ 400 000 réfugiés et plus de 200 000 retournés. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nour Gokouni Nour, déclare que le processus du développement qui vise toute personne désirant sur le territoire tchadien ne peut se faire sans l'appui des différents partenaires. Je voudrais saluer ici la nouvelle orientation stratégique impulsé par le HCR et avec l'appui de tous les autres partenaires au développement afin de mener une planification pluriannuelle. Je reste persuadé que cela permettra d'aboutir à des réalisations concrètes et objectives à l'endroit des réfugiés et des populations hôtes. La planification de la stratégie pluriannuelle et multipartenaire permettra d'apporter des réponses adéquates à la situation des réfugiés.
Un autre atelier de validation du rapport biennal pays sur l'agriculture a lieu aujourd'hui dans la capitale. Il est organisé par le département de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles en collaboration avec la FAO et Oxfam. Objectif, examiner et valoriser le rapport soumis à l'appréciation des participants. Mamad Souleymane. Cette session vise à examiner et valider les rapports biennal pays sur l'agriculture. Au cours de ces assises, les participants auront à échanger sur le processus d'élaboration des 10 rapports lancés par le ministère des tutelles. Ces rapports ont été rédigés par un comité qui est chargé de la mise en œuvre de la déclaration des Malabo. Ces axes stratégiques recherchés par la déclaration des Malabo sont entre autres l'indépendance alimentaire, l'amélioration des conditions de vie de la population rurale, la modernisation du secteur de l'agriculture et de l'élevage pour un développement durable et la formation des jeunes en matière de l'agriculture en milieu rural. Les représentants de la FAO au Tchad sollicitent l'implication des secteurs privés étrangers dans l'agriculture au Tchad. Nous connaissons tous la faiblesse de la présence du secteur privé. D'ailleurs, pas uniquement étranger, du secteur privé national aussi, dans le secteur de l'agriculture. C'est, à mon avis, ici, une question qui mériterait également d'être discutée. Et donc, quid de vraiment des raisons pour lesquelles le privé est si peu présent dans le secteur agricole tchadien, à commencer par le privé national. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles situe l'importance de cette rencontre. L'objectif principal du présent atelier est de valider le rapport biennal et d'une façon spécifique, vous aurez à faire des observations sur le fond et la forme et apporter des contributions pertinentes pour améliorer la qualité du document que nous espérons sera un document de référence indéniable dans l'élaboration du rapport biennal. Une fois validé, ce document pourrait constituer une base de données permettant de situer le niveau d'avancement du secteur agricole et la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine.